Rebonjour tout le monde. Donc, on va directement présenter notre charmante professeure Hedia Raheli qui va nous parler du traitement par les antifibrosants. Que faut-il expliquer aux patients? Merci. Merci beaucoup. Donc, cette fois-ci, on va se placer un peu plus, on sera plus proche des patients et on va parler des explications qu'il faut donner à un patient chez qui on prend la décision de prescrire des antifibrosants. Alors, voici mes liens d'intérêt. Alors, sur le plan pratique, l'arrivée des antifibrosants et notamment du nintedanib en Tunisie a beaucoup changé notre approche thérapeutique des PID. Avant, on n'avait rien à proposer pour les fibroses pulmonaires idiopathiques, surtout après que les études cliniques ont montré que les corticoïdes et les immunosuppresseurs ne sont pas bénéfiques et sont même nocifs dans les FPI. Et puis, il y a eu une extension des indications pour la sclérodermie et pour les fibroses pulmonaires progressives. Ce qui a changé aussi, c'est que l'arrivée des antifibrosants nous a encouragés à former les RCP. Et là, tout le monde est gagnant, le patient est gagnant, parce que la décision multidisciplinaire, c'est bien le gold standard dans la prise en charge des PID. Ça permet de réduire les erreurs diagnostiques, ça permet d'améliorer l'évaluation pronostique et ça permet de mieux adapter le traitement. Nous aussi, les médecins, nous sommes gagnants parce que les discussions sont extrêmement enrichissantes, on apprend beaucoup et en plus, on est plus rassuré par rapport à notre conduite diagnostique et thérapeutique. Or, le principal garant de l'efficacité thérapeutique, c'est quand les malades prennent leur traitement de façon régulière. Et là, il vaut mieux parler d'adhésion que d'observance. Alors, l'observance, la définition, c'est une adéquation entre le comportement du patient et le traitement qui est proposé. Mais là, il y a une connotation d'obéissance et de passivité. Ça veut dire que ça se passe au cours d'une consultation. Le médecin va faire son diagnostic, va décider son traitement, et puis il va donner des ordres, des instructions au patient qui doit les appliquer, et donc le patient a un rôle passif. Par contre, l'adhésion, c'est aussi une adéquation entre le comportement du patient et le traitement proposé, mais sur lequel il s'est entendu avec son médecin. Ça veut dire que là, il y a une prise de décision partagée entre le médecin et le patient. Et au cours des consultations, le médecin va explorer les connaissances et les croyances du patient par rapport au traitement. Et le patient a le droit de poser des questions et avoir des réponses. Et c'est ce qui permet d'améliorer l'adhésion thérapeutique. Alors, dans les maladies chroniques, malheureusement, souvent, l'adhésion thérapeutique est assez faible, suboptimale. Il y a de nombreux facteurs qui vont intervenir, qui ne sont pas uniquement liés aux patients, mais ça peut être le contexte socio-économique, ça peut être le médecin, la maladie, le système de santé aussi, tout le système de santé du pays. Et là, cette mauvaise adhésion au traitement, elle peut être d'origine intentionnelle. Quand le patient manque de connaissances par rapport à sa maladie ou par rapport à son traitement, quand il y a une absence de ressenti de l'efficacité du traitement parce que le patient n'est pas assez symptomatique, quand il y a une absence de nécessité d'un traitement au long cours et que le patient a de petites aggravations entre lesquelles il va se sentir pas mal, et quand il y a des effets indésirables du traitement, et là tous les médicaments qu'on prescrit ont des effets indésirables, et quand il y a un manque de communication entre le patient et le professionnel de la santé. Cette mauvaise adhésion peut être aussi d'origine non intentionnelle, elle est liée soit à la disponibilité du traitement, et c'est un problème de plus en plus fréquent pour tous les médicaments en Tunisie. Il y a le coût du traitement, il y a la mauvaise compréhension des messages, il y a les oublis de la prise du médicament, surtout quand on a des schémas thérapeutiques assez complexes. Et ces schémas thérapeutiques assez complexes vont faire qu'on a une charge thérapeutique importante, un nombre de prises et des horaires de prise qui sont différents et peuvent s'associer à une réduction de l'adhésion thérapeutique.
Alors, dans les PID, la charge thérapeutique va comporter les antifibrosants, mais aussi les immunomodulateurs dans le cas de la sclérodermie et des fibroses progressives. On a le traitement des comorbidités, surtout qu'il s'agit de sujets qui sont souvent âgés, de plus que 65 ans. Il y a le traitement des symptômes aussi, notamment de la toux. Et ceci, à part la complexité des schémas, va être à l'origine de plus d'interactions médicamenteuses et d'effets indésirables qui sont additionnels. Alors, ça, c'est une étude qui a été faite sur les PID, 214 PID, dont 75 FPI, et qui montre que dans les deux tiers des cas, les malades prennent au moins 5 médicaments, et dans le tiers des cas, ils prennent au moins 10 médicaments. Et bien sûr, la charge était plus importante dans le cas des fibroses progressives par rapport à la FPI, avec un risque d'interaction médicament-maladie qui est plus important chez les malades qui prennent des corticoïdes à cause des maladies cortico-induites. Les connaissances sur la maladie et le traitement interfèrent beaucoup avec l'adhésion thérapeutique. Et ça, ça a été démontré dans une étude qui a été faite sur la pirfenidone avec utilisation du meilleur paramètre, du meilleur outil d'évaluation de l'adhésion thérapeutique, qui est le monitorage électronique. Et on démontre que dans cette étude, que plus le patient a de bonnes connaissances sur sa maladie et sur son traitement, et plus l'adhésion thérapeutique est meilleure. Alors, ce qui pose problème parfois dans les FPI, c'est qu'il est proposé et même recommandé de débuter le traitement dès qu'on fait le diagnostic. Bien sûr, on va faire une évaluation individuelle de la balance bénéfice-risque chez chaque patient. Et les raisons de cette recommandation, de cette proposition, c'est que c'est une maladie qui a un très mauvais pronostic, qui rejoint celui des cancers, avec une médiane de survie qui avoisine 3 à 5 ans. C'est une maladie où l'évolution est imprévisible et certains malades vont décliner leur fonction respiratoire de façon très rapide, il faut agir rapidement. On va faire au cours de l'évolution, au début de l'évolution, des exacerbations sévères qui vont casser la fonction respiratoire et qui vont mettre en jeu le pronostic vital. Et en plus, ce déclin de la fonction respiratoire, on a démontré qu'il est corrélé à la mortalité. Donc, plus le déclin est important et plus le risque de mortalité est important. Ce qu'on démontre aussi, c'est que comparé aux patients qui ont une fonction respiratoire abaissée, ceux qui ont une fonction respiratoire préservée vont avoir un déclin similaire de la fonction respiratoire et vont avoir le même bénéfice en termes de réduction du déclin de la fonction respiratoire sur l'évolution. L'autre problème, c'est justement chez ces patients qui ont une fonction respiratoire préservée et qui sont peu symptomatiques ou asymptomatiques, ils peuvent ne pas ressentir la nécessité de commencer un traitement qu'ils vont prendre au long cours. Et là, il va falloir vraiment expliquer. Il va falloir expliquer ce que c'est la fibrose, ce que c'est son traitement. Alors, il faut dire que la fibrose, c'est une maladie, en gros, où le tissu interstitiel, où se font les échanges gazeux, va être cicatriciel, va être épais, ce qui va entraver le passage de l'oxygène, de l'air vers le sang, et qu'une fois on a des lésions de fibrose, elles sont irréversibles. On ne peut plus revenir en arrière. Il faut expliquer aussi la progression de la fibrose et dire qu'il y a très peu de malades qui vont rester stables. La grande majorité vont avoir un déclin progressif assez lent de la fonction respiratoire et un faible pourcentage de patients vont avoir un déclin vraiment très rapide avec un mauvais pronostic et que
quelle que soit l'évolution de la fibrose, stable, évolution lente ou évolution rapide, la survenue d'exacerbations et notamment d'exacerbations sévères va vraiment changer le pronostic du patient et augmenter le déclin de la fonction respiratoire et le risque de mortalité. Et là, c'est très important au cours des consultations de s'aider soit par ces schémas qu'on retrouve dans les études cliniques, soit par en écrivant ou en dessinant les concepts de progression de la fibrose et le concept de déclin de la fonction respiratoire et des exacerbations au cours des fibroses. Alors, certains malades qui vont avoir des symptômes persistants, la dyspnée, la toux, parce qu'il faut dire que les antifibrosons ne font pas agir sur ces symptômes, vont nous dire, et ça c'est très fréquent en consultation, le médicament n'améliore pas ma dyspnée, n'améliore pas ma toux. Et ça peut être à l'origine d'une mauvaise adhésion au traitement. Et donc, c'est très important d'expliquer le mécanisme d'action des antifibrosants, d'insister sur le fait que la fibrose est irréversible et ce qui est fait est fait. Que les antifibrosants vont ralentir le déclin de la fonction respiratoire de 50%, ralentir et non pas bloquer complètement l'évolution de la fibrose. Et ça, c'est très important à expliquer en début du traitement et insister sur le fait qu'on traite, qu'on prescrit des antifibrosants pour ralentir la progression future de la maladie. Et là, on peut s'aider par les courbes et les histogrammes des données cliniques sur l'évolution sous traitement antifibrosant. Si on prend, par exemple, les résultats de l'étude IMPALSE sur la fibrose idiopathique, on va dire que si les patients ne prennent pas leur traitement, ils vont décliner leur fonction respiratoire deux fois plus rapidement que s'ils prennent un traitement antifibrosant. Et que même sous traitement fibrosant, ils vont continuer à évoluer, mais à évoluer beaucoup plus lentement que les patients qui ne prennent pas de traitement. Alors, il faut insister aussi sur les autres bénéfices des antifibrosants, notamment la réduction de la mortalité en s'aidant par les résultats des registres et notamment ce que vous voyez ici, les résultats du registre européen et sur aussi le bénéfice en termes de réduction du risque d'exacerbation. Alors, chez les patients qui ont des fibroses progressives, il faut insister sur le fait qu'on va associer deux médicaments, deux types de médicaments. Quand on prescrit les antifibrosants, on ne va pas arrêter les anciens traitements parce que les immunomodulateurs vont agir sur la composante inflammatoire et les antifibrosants vont agir sur la composante de fibrose. Et c'est très important que ce soit pour l'adhésion aux immunomodulateurs que pour l'adhésion aux antifibrosants. Alors, l'idéal serait d'être aidé par un plan d'action écrit qu'on va donner aux patients à chaque fois qu'on change le traitement. Il faut impliquer la famille et les éventuels aidants et amis du patient dans l'éducation et le partage de la charge d'information et de la prise en charge. Le carnet de suivi, c'est très important, où le patient va noter ses prises, les effets secondaires qu'il présente et les changements de dose. Et pour les patients qui ont une charge thérapeutique importante et qui risquent d'oublier leur traitement, on va leur conseiller de s'aider. Maintenant, on a les systèmes d'alarme, des montres, des téléphones qui peuvent aider pour surseoir à ces oublis. Or, il y a d'autres outils éducatifs. Il y a des sites sur l'éducation de la fibrose. On a là un site australien, un site américain avec une traduction en langue arabe, mais il faut dire que c'est de l'arabe littéraire assez difficile
à faire passer à nos patients en pratique clinique. Et il y a le site français Mieux vivre avec une fibrose pulmonaire. Je reviens sur la nécessité d'écrire et de dessiner les concepts de la progression de ce que c'est la fibrose et de ce que c'est l'effet du traitement. Des brochures seraient intéressantes ou même des classeurs où on va mettre tout ce que on vient de voir dans un classeur, ça marche, comme c'est le cas dans l'asthme par exemple. Or, j'ai mis cette diapositive pour dire que les immunomodulateurs ont des effets indésirables et les effets indésirables digestifs sont fréquents avec les immunosuppresseurs et vont donc se surajouter aux effets indésirables des antifibrosants. Et dans le cas d'une antidanib, on a des effets indésirables qui sont largement dominés par les effets digestifs. Ces effets sont généralement légers à modérés, mais peuvent être sévères. Ils sont dose-dépendants, d'où l'intérêt parfois de réduire les doses. Et les facteurs favorisants, c'est les personnes de faible corpulence et les personnes qui ont un état général altéré. Mais même s'ils sont légers à modérés, ils peuvent altérer la qualité de vie, ils peuvent interférer avec l'adhésion thérapeutique, d'où la nécessité de surveiller vraiment régulièrement de ces patients sur le plan clinique et sur le plan biologique, et notamment le bilan hépatique. Alors, les effets indésirables hépatiques se voient dans les études cliniques, dans la FPI, dans 13% des cas à peu près, mais quand on s'intéresse à la cytolyse significative de plus que 3 fois la limite supérieure de la normale, c'est uniquement 5% des cas, et dans les fibroses progressives, le pourcentage est plus important, de l'ordre de 22%. D'où l'intérêt de communiquer au malade, de lui expliquer vraiment la nécessité de faire régulièrement ces bilans hépatiques. Le protocole utilisé en pratique, c'est celui qui a été utilisé dans les essais cliniques, c'est-à-dire une fois par mois, pendant les 6 premiers mois, et puis tous les 3 mois. Alors, la conduite à tenir, si on a une cytolyse entre 3 et 5, on va réduire la dose à 100x2. Si c'est une cytolyse entre 5 et 8, on va arrêter temporairement le traitement. Et si c'est une cytolyse supérieure à 8, on va discuter l'arrêt du traitement. Et puis, on va surveiller au bout de 2-3 jours, au bout d'une semaine, et puis au bout de 2 semaines. Et on va rapprocher les surveillants chez ces malades qui font une cytolyse en moyenne toutes les 2 semaines pendant les 8 semaines qui vont suivre les anomalies du bilan hépatique. Et après, si on a une amélioration du bilan, chez les patients chez qui on a opté pour une réduction de dose, on va revenir à la dose optimale de 150x2. Et chez les patients chez qui on a arrêté temporairement le traitement, on va commencer par 100x2 et puis on va réaugmenter dans un second temps les doses de traitement. Alors, le principal effet indésirable digestif, c'est la diarrhée. Elle est observée dans 62% dans les FPI et dans 72% dans les fibroses progressives. Alors, comme on l'a dit, c'est des épisodes légers à modérés, ça veut dire moins de 6 épisodes par jour qui ne retentissent pas sur l'activité physique du patient et qui n'entraînent pas de déshydratation. Et ces effets surviennent généralement, précocement, au cours des 3 premiers mois, d'où l'intérêt de surveiller vraiment de très proche ces malades durant le début du traitement. On a aussi les nausées avec un chiffre moins important, de l'ordre de 29% dans les fibroses progressives et de 25% dans les fibroses idiopathiques. Dans les études de vraie vie, on a des pourcentages qui sont extrêmement variables avec une fourchette de 2 à 53%. Moi, je pense que pour les pourcentages les plus bas, ça serait expliqué par une absence de déclaration en pharmacovigilance des effets indésirables. Et je pense, pour les chiffres les plus hauts, je pense que c'est des malades qui n'ont pas été bien entourés, qui ne connaissent pas les mesures diététiques et comment prendre en charge précocement ces effets indésirables digestifs.
on a aussi la perte de l'appétit et la perte de poids qui peut mener à la dénutrition, qu'on observe dans plus que 9% des cas dans les FPI et dans 16% des cas dans les fibroses progressives, avec là aussi une fourchette très importante dans les études de vraie vie, entre 5 et 32%. Et donc, c'est très important, c'est des effets digestifs qui sont généralement légers à modérés, mais qu'il faut prendre en charge vraiment très rapidement, et ça commence dès l'annonce du diagnostic et dès la première prescription des antifibrosants. Il faut conseiller aux patients qu'en cas de diarrhée, il doit s'hydrater encore plus, il doit prendre des antidiarrhéiques, et on va donner d'emblée une ordonnance d'antidiarrhéiques, avec un plan d'action. Et là, les conseils diététiques pour tous les effets indésirables du traitement antifibrosant sont vraiment primordiaux dans la prise en charge de ces effets. Il faut conseiller aux patients qu'il faut prendre le médicament au milieu du repas. Vraiment, pas juste avant, pas juste après, ça doit être vraiment au milieu du repas, avec une bonne hydratation qui va se faire entre les repas. Il faut leur conseiller de prendre des petits repas équilibrés, d'opter vers des aliments qui sont ralentisseurs du transit, tels que le riz ou les carottes. Le régime qui contient de l'huile d'olive permet de prévenir les effets indésirables des antifibrosants, et ça a été démontré par quelques études. Et enfin, il faut éliminer tout ce qui accélère le transit, c'est-à-dire tout ce qui est riche en fibres et les boissons chaudes. Alors, pour la gestion, si on a une diarrhée légère à modérée, mais qui va durer au-delà d'une semaine, on va réduire la dose du traitement à 100x2. Si on a une diarrhée qui est sévère, à ce moment-là, on va arrêter temporairement le traitement et reprendre le traitement à la dose de 100x2 une fois le patient s'améliore. Alors, pour la gestion des nausées, là aussi, ordonnance médicale avec des antiémétiques, et là aussi, des conseils diététiques extrêmement importants. Le fait de siroter de l'eau au lieu de boire de grosses gorgées, le fait d'éviter les liquides juste avant et juste après les repas, le fait de répartir ces trois grands repas en 5, 6 ou même plus petits repas, et éviter tout ce qui est odeur prononcée, tout ce qui est sauce, tout ce qui est épicé, le café aussi. Il y a de petites recettes qui sont conseillées par les nutritionnistes et les diététiciennes, notamment ajouter un peu de gingembre et de menthe, ça améliore beaucoup les nausées. Or, parfois, les patients sont inquiets en ce qui concerne ces arrêts temporaires de dose et ces réductions de dose. Ils ont l'impression de perdre en efficacité en termes de traitement. Là, on ne connaît pas vraiment la vérité, mais on a les résultats de l'essai sur les fibroses pulmonaires progressives, où on démontre que, quels que soient les ajustements thérapeutiques, on a le même profil de déclin de la fonction respiratoire chez les patients. Alors, pour la perte de l'appétit et la perte de poids, là aussi, c'est les conseils diététiques extrêmement importants. Prendre des repas qui sont des petits repas hautement caloriques. Si on n'a pas d'appétit, il faut privilégier la portion protidique, les compléments alimentaires, et le recours en consultation de diététicienne et de nutritionniste sont parfois importants. Alors, il faut dire que cette perte de l'appétit, elle ne la voit pas uniquement avec les antifibrosants. Ça fait partie des symptômes, et en plus des symptômes les plus fréquents de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, pour la dénutrition, la fréquence est variable selon la définition qu'on va utiliser. Si on se base sur l'IMC ou sur la réduction de poids, c'est des chiffres qui varient entre 4 et 20%. Alors que si on s'intéresse à la vraie définition, qui est la perte de la masse maigre, on va avoir des chiffres importants de l'ordre de 30%. Et on sait que la dénutrition, c'est quelque chose de très nocif. Ça entraîne une fatigabilité qui va se rajouter à la dyspnée, et ça entraîne une altération des réponses immunitaires en termes
de réponse immunitaire et donc ça peut augmenter le risque d'exacerbation, ça altère la fonction musculaire et donc respiratoire et ça altère les phénomènes de cicatrisation. Alors, pour la dénutrition, c'est vrai qu'il y a les antifibrosants, mais il y a plein d'autres facteurs et c'est une origine multifactorielle. Il y a l'âge, où on a une réduction des apports. On a le tabagisme, où on a une perte de l'appétit, avec en plus un déficit en vitamine D qui est plus fréquent, ce qui augmente le risque de réduction de la masse musculaire. On a aussi ce cercle vicieux où les patients sont dyspnéiques, vont réduire leur activité physique, vont avoir par la suite un déconditionnement à l'effort et par conséquent une réduction de la masse musculaire, sans oublier les exacerbations aiguës où on a des phénomènes inflammatoires intenses avec un hypercatabolisme qui entraîne une réduction de la masse musculaire. Or, dans cette étude, on a essayé de calculer la surface musculaire évaluée sur la TDM initiale et puis la TDM de contrôle des patients ayant une FPI. Et ce que démontrent les résultats, c'est qu'on a une corrélation entre la perte de la fonction musculaire et le risque de mortalité par FPI. Alors, dans les études cliniques, quand on fait les corrélations en fonction de l'indice de masse corporelle et en fonction du pourcentage de perte de poids, ce qu'on remarque ici dans le bleu clair, dans le groupe placebo, c'est que plus on a une perte en poids et plus le déclin de la fonction respiratoire est important, avec une efficacité bien sûr des antifibrosants, quelle que soit la perte de poids. Alors, comment remédier à cette dénutrition? Il faut d'abord la dépister par les peser au cours de chaque consultation, idéalement impédanciométrie. Il faut opter pour une activité physique adaptée, un régime alimentaire équilibré et bien sûr l'arrêt du tabac. Et l'activité physique adaptée, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les PID. Le but, ce n'est pas la performance, le but, c'est que les patients arrivent à avoir une vie quotidienne normale, à sortir de chez eux, à pouvoir monter des escaliers et avoir une vie à peu près normale et une activité à peu près normale. Il y a bien sûr idéalement les programmes de réhabilitation respiratoire où on a en plus de l'activité physique les autres paramètres de nutrition, d'arrêt du tabac et les bénéfices de cette activité physique adaptée où on n'a pas vraiment de consensus, mais on copie un peu par rapport à la BPCO. Les bénéfices sont importants sur le maintien de la masse musculaire, sur la reprise de l'appétit. Il y a les bienfaits psychiques, puisque c'est des patients qui vont rester autonomes. Il y a l'amélioration de la tolérance à l'effort et la réduction de la sensation de dyspnée, avec une rupture de ce cercle vicieux qui aboutit au déconditionnement musculaire. Et parfois, l'oxygène à l'effort, pourquoi pas, chez les malades qui peuvent se permettre, ça permet de maintenir un niveau d'activité physique qui est plus important quand on n'est pas supplémenté en oxygène. Alors, pour conclure, je dirais que l'adhésion thérapeutique dépend d'une prise en charge globale et personnalisée où on doit vraiment, dès le départ, tout expliquer au patient. On doit lui expliquer que le diagnostic et la proposition thérapeutique sont décidés au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. On doit lui expliquer ce que c'est que la fibrose, ce que c'est que le traitement antifibrosant et qu'est-ce qu'on attend de ce traitement antifibrosant. Il faut apprendre aux patients et leur expliquer comment autogérer leurs effets secondaires. La prise en charge des comorbidités est très importante et au premier rang desquelles la dénutrition. Ça va permettre d'éviter les conséquences de la dénutrition
Et la réhabilitation, c'est très important aussi, et à défaut, une activité physique un peu adaptée. Et en France, ils ont certaines plateformes qui guident les patients pour la réalisation de quelques mouvements de tous les jours. Le traitement des symptômes, c'est très important. Les patients vont se sentir améliorés et vont adhérer plus à leur traitement antifibrosant. Et finalement, le suivi régulier, c'est important, qui doit être plus rapproché durant les premiers mois, justement pour répéter les messages éducationnels et pallier aux mauvaises croyances et pallier aux effets indésirables du traitement. Merci. Alors, merci, docteur Garayri. Finalement, ce qu'on dit aux patients, ce qu'on disait avant les antifibrosants, finalement, on n'avait pas grand-chose à dire. On n'avait rien pratiquement à leur proposer en matière de médicaments. Depuis qu'il y a les antifibrosants, on essaie de leur expliquer que c'est des médicaments qui, finalement, ne vont pas les améliorer, mais vont permettre à ce qu'ils ne s'aggravent pas. Voilà, la parole est à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Docteur Tougeni, c'est Charfi. Merci, Madame Rairi, pour votre exposé. Moi, mes questions, c'est par rapport à l'amaigrissement. Est-ce que vous n'avez pas arrêté le traitement, diminuer les doses, sachant que c'est une question assez difficile parce qu'on sait aussi à un stade avancé de la maladie, donc on peut avoir un amaigrissement aussi. D'accord. Je n'ai pas insisté sur la courbe, mais paradoxalement, et on n'a pas de vraie explication pour ça, ceux qui ont l'IMC le plus bas gagnent plus en termes de réduction du déclin de la fonction respiratoire. Bien sûr, on ne va pas arrêter le traitement parce qu'il prouve son efficacité, mais moi je pense, chez certains malades, il faut aller jusqu'à la consultation du nutritionniste, les compléments alimentaires et les conseils simples, parce que ça semble être vraiment très simple, mais c'est très important sur le plan pratique. Mais pas au point d'arrêter le traitement, parce que ce n'est pas l'effet du traitement uniquement, c'est l'effet des phénomènes inflammatoires, à l'hypercatabolisme qui est lié à la maladie elle-même, à la dyspnée et plein d'autres paramètres que j'ai montré sur le schéma. Donc ce n'est pas l'effet uniquement du traitement. L'effet du traitement, en termes de baisse de la masse musculaire, on peut pallier à ça par les conseils diététiques et l'activité physique, c'est très important aussi. Merci beaucoup, Edia, pour cet exposé. Moi, je pense que le problème, c'est que finalement, pour la fibrose, c'est un parcours assez particulier. Vous avez un patient qui arrive, il a une dyspnée, il a une toux. Il va être soumis à une série, finalement, d'examens, donc, alors qu'il s'attendait à avoir un traitement efficace assez rapidement, aller faire la fibroscopie, le scanner. Après, il faut attendre la décision du staff, donc finalement, multidisciplinaire, puis attendre l'accord de la CNAM, et pour, en fin de compte, avoir un traitement qui ne va pas arrêter, qui ne va pas améliorer, mais qui va finalement... Il va empêcher une évolution très rapide. Et c'est pour cette raison que pour ce type, on doit les prendre en charge déjà au tout début. Il faut bien leur expliquer que c'est un parcours du combattant, que ça va être très long, que peut-être on ne va pas leur donner un traitement, peut-être on ne peut pas leur proposer. Et les malades se sont un peu parce que ils ne marchent pas régulièrement. Ils sont un peu largués, ils vont faire une série d'examens et à la fin, ils ne vont pas avoir le résultat finalement extraordinaire qu'ils pouvaient attendre. Et c'est pour cette raison que moi, je pense qu'au tout début, dès qu'on fait le diagnostic de la PID, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment expliquer aux patients que ça ne va pas être évident, ça va être très long. Et c'est de cette manière-là qu'on peut avoir peut-être une certaine adhérence au traitement par la suite. Mais ce n'est pas du tout évident pour les malades de bien accepter toutes ces étapes et ces étapes qui sont très longues.
Oui, voilà. Moi j'ai commencé le parcours en fait à partir de la prescription des antifibrosomes, mais vous avez tout à fait raison, il faut commencer dès le départ parce qu'il y a des malades qui ne vont même pas compléter leur bilan étiologique, il faut les motiver pour le faire. Sinon, il ne faut jamais oublier que le pronostic de la fibrose rejoint le pronostic d'un cancer. Comme on prescrit des chimiothérapies dans le cancer avec des résultats qui sont un peu moindres, donc on doit s'attacher à prescrire des traitements qui réduisent quand même le déclin. Et si par chance le malade n'a pas un déclin physiologiquement rapide de la fonction respiratoire, ça aide énormément de réduire de 50% l'évolution. Mais c'est vrai que le parcours est lent, il n'est pas facile. Nous, par exemple, à Nabeul, il y a aussi le problème, les malades doivent aller à chaque fois à Tunis pour avoir le traitement. Ils peuvent revenir plusieurs fois, mais on doit insister pour les encourager à tenir bon et pour qu'ils aient leur traitement. Mais sinon, les mentalités ont changé. Quand on dit aux patients, on a présenté votre dossier à une RCP où il y a des experts, et qu'on nomme les experts, les malades sont vraiment rassurés. Même si vous êtes leur médecin préféré, ils sont vraiment rassurés par rapport à ça, par rapport à la décision diagnostique et thérapeutique. Docteur Maalaj, après Docteur Aouedi, pour conclure, c'est Ali. Conclure. Pas maintenant. Sonia Maj. Docteur Sonia Maj. Merci beaucoup, docteur Rairi. Je voulais vraiment insister sur le problème d'anorexie sous antifibrosant. C'est un effet secondaire vraiment qui n'est pas négligeable du tout. Et je pense en termes de fréquence, il est beaucoup plus fréquent que la diarrhée, selon notre petite expérience depuis Taoua quelques années. Pour ces malades, souvent, on diminue les doses à 100 mg x 2 et on essaie après amélioration donc de reprendre la dose à 150 et malheureusement, les symptômes reprennent. Donc l'effet de l'anorexie, souvent associé d'ailleurs à une perte de poids, comme tu as dit. Alors, pour ce genre de patients, le fait de rester à 100 x 2 et ne pas pouvoir monter à 150 x 2 la dose nécessaire, est-ce qu'il y a des études qui ont parlé de l'impact sur l'efficacité en termes de déclin de la fonction respiratoire? D'accord. En fait, par rapport à la perte de poids et contrairement aux effets hépatiques, à la diarrhée, il n'est pas vraiment recommandé de réduire les doses. Ce qui est très important dans la dénutrition, c'est l'équilibre nutritionnel, quitte à aller au complément alimentaire protéique, et c'est l'activité physique. Il faut travailler sur ça, et ça marche. Et ça marche. Le fait de dire aux patients de privilégier la portion protéique en début de repas, comme ça, s'il n'a pas beaucoup d'appétit, il va avoir au moins sa portion de protéines qui est importante pour les muscles. Le fait de répartir ses repas, en France, ils font même des ateliers où on apprend aux patients de faire de petites recettes à leur goût en présence de chefs de cuisine et de nutritionnistes, c'est ce qui marche. Et nous, en Tunisie, on a l'avantage du régime méditerranéen qui semble être très efficace pour réduire les effets indésirables. Je pense, si l'Ozir disait avant, qu'on n'a pas vraiment les effets indésirables majeurs qu'on nous décrit dans les études cliniques, et notamment en termes de diarrhée, on ne les voit pas. Et je pense que c'est notre alimentation qui nous protège un peu. Merci, docteur Rairi, pour cette belle conférence. Et moi, une question d'ordre pratique. Donc, du moment où vous prescrivez un antifibrosant, quel est le rythme de consultation et de surveillance que vous préconisez chez les patients? D'accord. Idéalement, selon le rythme de surveillance du bilan hépatique, mais ça va dépendre de l'état du patient. Bon, s'il est vraiment essoufflé, s'il habite loin, la famille peut apporter le bilan. Et c'est ça l'implication de la famille et des aidants dans la prise en charge. Ils peuvent nous renseigner sur son état, s'il mange, s'il...
idéalement tous les mois, durant les 3 premiers mois, et puis on peut espacer avec des, bien sûr, des consultations supplémentaires en fonction des symptômes du patient. Mais je pense que pour les 3 premiers mois, c'est important de revoir les patients tous les mois. Ça va aider aussi pour les patients qui vont faire des effets secondaires et chez qui on va préconiser de réduire les doses. Il vaut mieux ne pas prescrire les 3 mois d'emblée de 150x2, voir les patients tous les mois au départ et donner des ordonnances d'un mois. Comme ça, si on opte pour une réduction des doses, on change facilement le traitement. Merci. Merci Hedia pour cette belle présentation. Tu m'as demandé de te poser une question. Je ne vais pas faire de questions, je vais plutôt faire une observation. Je voudrais te poser la question autrement. Moi, j'aurais bien voulu qu'un jour tu nous parles qu'apporte ce traitement pour le médecin. Parce que je pense que ce qui est important dans ce traitement, c'est le réconfort que nous avons actuellement de positionner les malades devant nous. Parce qu'on était en aveu d'impuissance. On est en force de communication et ça permet au malade de lui faire vendre un espoir important alors qu'avant on ne pouvait rien lui vendre du tout. Et c'est ça le côté important du médecin, du médicament. Bon, le malade ne va pas comptabiliser sa vie sur la capacité forcée, vitale forcée, 70 millilitres, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce voilà, mais le fait qu'il sache qu'il y a un traitement possiblement qu'il puisse freiner. Et nous, que nous sachions qu'il y a ça, mais tu ne peux pas imaginer le bonheur que ça nous donne vis-à-vis du patient. Et c'est ce côté-là qui a transformé notre attitude vis-à-vis des pneumopathies interstitielles diffuses et idiopathiques. Voilà, merci. Tout à fait, Zahir. Je pense signer.